viens à mon aide.
Seigneur, ton gardien,
De la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse.
Seigneur ait justice et pitié, notre et Dieu et tendresse. Regardons celui que nous avons transpercé et confessons notre foi. Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse. Ton sang nous a rachetés. May living water flow from your open heart. Spread out your spirit to all people. Du sendest in die Welt Zeugen deiner Auferstehung. Dass sie deinen Sieg über das Kreuz verkünden. Cristo, en agonía hasta el fin del mundo, no olvides a los miembros de tu cuerpo que sufren. Toi, qui es sorti vivant du tombeau, éveille ceux qui sont endormis dans la mort. Notre Père, qui es aux cieux,
prions. Seigneur, puisque ta sagesse inexprimable se manifeste étonnamment dans le scandale de la croix, accorde-nous de savoir contempler la gloire dans la passion de ton Fils, pour que nous mettions dans sa croix notre espérance et notre fierté. Lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.